Yeah.
est la vérité. Est la vérité. Jésus-Christ parle à toi, Pébo. Jésus n'a pas la coupe. Jésus-Christ parle à toi, Pébo. Jésus n'a pas la coupe. Seigneur, le même état. Je ne vois pas, Seigneur. À vous, le vrai, 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 le Amen. Il règne, Jésus règne. Il règne.
Thank you.
Nous voulons passer à une autre étape, Seigneur. Seigneur, que ton trône descend au milieu de nous. Seigneur, que ton trône descend au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu as dit que ce qui est cher, mais ce qui est esprit est éternel. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Mais nous ne voulons pas voir la chair. Mais que la chair se disparaisse. Et que ton esprit prend le contrôle. Que ton esprit prend le contrôle. Que l'esprit de Dieu prend le contrôle. Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit d'incrédulité soit ôté à celui-ci. Que l'esprit d'incrédulité soit ôté à celui-ci. Que l'esprit de la confusion soit ôté à celui-ci. Seigneur Jésus-Christ, je prie par cet enseignement qui va sortir de la, dans la bouche de l'homme de Dieu. Que ce qui soit brisé soit brisé. Que ce qui soit restauré soit restauré. Que ce qui soit guéri soit guéri. Seigneur, viens au milieu de nous. Seigneur, parle à ton peuple. C'est au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que le but, le rôle de l'église, c'est que lorsque nous nous rassemblons et que nous venons avec nos fardeaux, nous venons pour être libérés, pour être déchargés. Nous venons pour que nos fardeaux tombent au pied du Seigneur. Mais nous n'entrons pas avec les fardeaux pour retourner encore avec les fardeaux. C'est vrai, nous entrons avec les fardeaux. Mais nous sortons libérés. Nous sortons sans les fardeaux. Alléluia. Donc celui qui s'est dit va être libéré aujourd'hui. Il ne doit plus être dans la tristesse. Ou bien c'est comme un prisonnier que Dieu qu'on veut libérer. Et on lui a annoncé le jour de sa libération. Quand le jour approche, qu'est-ce que le prisonnier fait? Quels sont les sentiments qui le traversent? Les sentiments de joie. Il a envie que ça vienne vite. Que le jour approche. Mais vous, vous n'êtes pas des prisonniers. Vous êtes les fils de Dieu. Vous êtes les filles de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut davantage vous façonner. Pour que vous nous rassemblez. Voilà pourquoi nous nous rassemblons tout le temps. Sinon, nous avons déjà reçu le salut, nous avons confessé Jésus, on peut rester à la maison si c'était important. Si le salut, si la communauté n'était pas importante. Voilà. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait?
Il nous rassemble. Et c'est dans le rassemblement maintenant que la communion fraternelle se crée. C'est dans le rassemblement que nous vivons Jésus-Christ. C'est dans le rassemblement que nous marchons vraiment vers le ciel. Que nous aspirons aux choses d'en haut. C'est dans le rassemblement que nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il est très important que lorsque vous êtes ensemble, vous puissiez marcher comme étant d'une même famille. Vous êtes en une assemblée de sang, vous devez manifester cette joie. On doit sentir ce feu au milieu de vous. Et on ne doit pas sentir le sommeil. Le feu doit régner, l'enthousiasme, le zèle, ça doit régner au milieu de vous. Vous devez adorer Dieu, servir Dieu de tout votre cœur. C'est très important. Quand on faisait l'adoration, les frères chantaient. Mais il y avait de l'assouplissement. C'était sommeillé. D'autres étaient fatigués. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Et c'était comme on demande de s'agenouiller. Quand il s'agenouille contre la chaise, c'est fini, ils sont portés par le sommeil. Ce n'est pas du tout bien. Et quoi, quoi? Nous devons adorer Dieu vraiment avec notre esprit qui est en éveil. Si tu dors, est-ce que tu adores Dieu encore? Tu dois adorer Dieu, mais lors de l'adoration, tu dors. Quand l'Esprit de Dieu va descendre et va passer pour distribuer les grâces, pour bénir les gens, c'est que toi tu seras béni. Parce que tu n'adores pas Dieu, tu le bénis. C'est très important. Très important pour vous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore vraiment dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Il y a tant de doutes qui sont Je ne suis jamais arrivé, je ne suis jamais venu ici. Moi qui. Et les autres hommes de Dieu m'ont déjà dévancé et ils viennent chaque fois vous exhorter, vous allez vous bénir dans le Seigneur, vous conduire dans la marche. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a convaincu de venir ici et d'être avec vous. Parce que cela est très important. Et c'est pour cela que je suis là ce matin. Alléluia. Je sais que vous avez déjà reçu assez de nourriture qui vraiment ouvre votre connaissance davantage, qui vous permet de connaître encore le Seigneur davantage. Mais comme nous sommes encore sur la terre, nous ne manquerons jamais d'apprendre, de manger. Parce que la parole, il faut que nous la mangeons au jour le jour. Et c'est lorsque nous mangeons la parole que la parole produit en nous ce qu'elle doit produire. C'est lorsque nous mangeons la parole que nous croissons spirituellement. Parce que nous sommes maintenant dans le domaine spirituel. De même qu'un nouveau-né, un enfant prend du lait. Arrive un moment quand il atteint un âge, un certain âge, on commence à lui donner de nourriture solide. Vous êtes croissant de cette même manière. Le Seigneur veut que vous soyez toujours nourri. Que nous soyons toujours nourris par sa parole. Et sa parole est spirituelle. Et elle nourrit notre esprit. Elle soumet notre esprit à la volonté de Dieu. Pour que nous connaissions toute la volonté de Dieu pour nous. Donc c'est dans la parole que nous connaissons Dieu parfaitement. Sans la parole, nous serons vides. C'est pourquoi j'aimerais aussi t'exhorter
attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te conduit chaque jour dans le salut. Il te conduit vers le salut. Il te conduit vers le Seigneur. Et il te rapproche du Seigneur Jésus. Donc celui qui s'abreuve de la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu pour appui, qui mange la parole de Dieu, qui boit la parole de Dieu comme de l'eau, et qui savoure la parole de Dieu, qui savoure, c'est-à-dire, il prend ça comme un mets délicieux. Mais ça, comment autant que la Dieu est en lui. Ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu veut travailler à ce que vous tous, ça ne soit plus vous qui vivez, mais que ça soit Jésus qui vit en nous. Parce que nous vivons pour Dieu. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et comme nous vivons pour lui, nous devons marcher dans sa parole. Et comme sa parole est spirituelle, nous aussi nous devons être spirituels. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous avons un exemple qui nous a été donné, qui est la Bible. Et la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu. La parole se trouve dans la Bible. Et la parole vient par une révélation. C'est pourquoi vous devez demander aussi au Seigneur de vous donner la révélation de la parole qui va avec votre vie ou votre situation. Alléluia. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Notre thème de ce matin est intitulé Vivre parfaitement dans la sagesse d'en haut. Vivre parfaitement dans la sagesse d'en haut. Ce qui veut dire que la sagesse d'en haut est quelque chose de primordial pour nous. Quand le Seigneur nous demande par ce thème de vivre selon la sagesse d'en haut, il veut tout faire pour attirer notre attention sur ce dont nous avons besoin, qui est important pour nous et qui fera que nous aurons les mêmes pensées que Dieu. Nous aurons une connaissance rapproché de Dieu. Nous aurons les mêmes raisonnements que le Seigneur lui-même. Parce que nous avons été rachetés par un Dieu sage. Et la sagesse de notre Père diffère de la sagesse du Dieu de ce siècle. Oui, bon, il y a deux types de sagesse. Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse qui est de la terre, il y a la sagesse qui est d'en haut. Et comme ceux du monde ont été rendus pécheurs à cause du péché d'Adam, ils marchent tous selon la sagesse du monde qui est le péché. Mais nous, quelle est la différence à notre niveau? Nous avons reçu le Christ qui est venu du ciel. Donc comme Jésus est descendu du ciel, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait maintenant marcher dans la sagesse de Dieu qui n'est pas de ce monde, mais qui est du royaume de Dieu. Donc nous devons connaître en réalité qu'est-ce que la sagesse de Dieu. Et qu'est-ce qu'est d'abord aussi la sagesse afin de vivre selon ses lois, selon ses règles, ses normes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre les Écritures.
Nous allons d'abord connaître l'origine de la sagesse. Et vous allez découvrir que la sagesse, il vous faut la sagesse pour votre chrétienté. Alléluia. Proverbe 8. Nous allons prendre le livre de Proverbe 8. Nous allons connaître l'origine de la sagesse. D'où vient la sagesse? Quand on parle de la sagesse, on parle de quoi? Parce que la sagesse elle-même se définit. Voici comment je me manifeste. Voici comment j'agis. Voici comment je travaille. Donc tous ceux-là qui aspirent être sage ou tout cela qui veut être à ma ressemblance, voici comment moi je marche. Donc ils doivent marcher comme moi pour être comme moi, pour devenir ce que je suis. Nous allons lire le livre de Proverbe 8. La sagesse n'écoute-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Ça dit déjà notre attention. On dit la sagesse ne crie-t-elle pas et l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Quand nous parlons de la sagesse, nous voyons l'intelligence. Parce que l'intelligence fait partie de la sagesse. La sagesse englobe l'intelligence. Elle englobe la connaissance. Elle englobe aussi la créativité. Dans la sagesse, il se trouve aussi la maturité. Donc la sagesse englobe tous ces éléments-là. Et c'est pourquoi le livre de 1 Jean 5, 19 à 21 est clair. Il dit que le Seigneur Dieu est venu, Jésus-Christ est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Jésus-Christ. Donc il nous a donné quoi? L'intelligence pour connaître le véritable. L'intelligence qu'il nous a donné, c'est la sagesse. Parce que le véritable marche dans la sagesse. Donc, le véritable agit dans la sagesse. Donc avant que nous ne connaissions le véritable, il faut l'intelligence qui nous révèle en réalité la sagesse. Et cette intelligence dont nous avons besoin, c'est la sagesse qui descend du ciel. Donc il dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Donc vous avez besoin de l'intelligence qui se trouve dans la sagesse. Nous sommes en train de définir la sagesse comme ça. La sagesse, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est aussi la connaissance. La sagesse, c'est aussi la maturité, etc. etc. Continue la lecture. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. Oui. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Oui. À côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Oui. Or, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Oui. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche proclame quoi? La vérité. Donc nous pouvons aussi comprendre que la sagesse n'est pas seulement la connaissance, mais la sagesse est aussi la vérité.
La sagesse, c'est la vérité. Donc quand Jésus dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira, il est en train de dire qu'en vérité, il vous faut la sagesse de Dieu. Donc si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous n'aurez pas la vérité. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous n'aurez pas le discernement. Si vous n'avez pas la sagesse de Dieu, vous n'aurez pas aussi l'intelligence. Vous n'aurez pas aussi la connaissance. Donc cela montre que toutes ces choses centrées se retrouvent dans la sagesse. Donc celui qui a la sagesse de Dieu, il détient tous ces éléments-là. Celui qui a la sagesse de Dieu détient tous ces éléments, c'est-à-dire la santé, l'intelligence, la connaissance, le discernement. Et tout ce qu'on vient de citer, tout ce qu'on vient de lister. Alléluia. Car ma bouche proclame la vérité. Oui. Et mes lèvres ont honoré le mensonge. Exactement. Hein? Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Sont justes. Mm-hmm. Elles n'ont rien de faux. Elles n'ont rien de faux. Ni de détourné. Uh-huh. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Uh-huh. Et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Uh-huh. Préférez mes instructions à l'argent. Uh-huh. Et la science alors le plus précieux. Uh-huh. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Uh-huh. Elle a plus de valeur que les objets précieux. La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que les objets précieux. Uh-huh. Moi, la sagesse, j'ai pour demain le discernement. Mm-hmm. Et je possède la science de la réflexion. Wow. Mm-hmm. La crainte de l'Éternel, c'est la reine du mal. Mm-hmm. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. Mm-hmm. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Arrête-toi au 14. Mm-hmm. Et le conseil et le succès m'appartiennent. Mm-hmm. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Je suis l'intelligence et la force est à moi. Donc vous voyez comment la sagesse se représente. La sagesse est la force, la connaissance, l'intelligence, le discernement, la vérité. Donc je dois connaître d'abord la sagesse de Dieu pour acquérir la connaissance. Je dois être habité par la sagesse de Dieu pour avoir le discernement. Donc, ce qui manque en réalité à l'église, ou ce dont l'église a besoin et dont chaque chrétien a besoin, c'est la sagesse qui doit habiter en elle. Donc si je n'ai pas de sagesse, je n'ai pas la sagesse, je manque de tous ces éléments qui vont faire accroître ma foi, qui vont me grandir dans la foi avec Jésus-Christ. Vous donnez le bidon. Et si vous allez voir le roi Salomon, quand Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux et je vais te donner. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé la sagesse. Parce que Salomon était conscient que sans la sagesse, tout ce qu'il va demander à Dieu sera sans effet, sera nul et sans effet. Salomon était roi. Il était déjà prêt à reprendre les fonctions de son père David. Étant roi, il faut qu'il soit fort, n'est-ce pas? Étant roi, il faut qu'il soit solide. Étant roi, il faut qu'il soit autoritaire. Étant roi, il faut qu'il ait le discernement. Étant roi, il faut qu'il parle sur la vérité. Étant roi, il faut qu'il ait aussi la connaissance. Il faut que sa connaissance soit vraiment mature. Il faut qu'il ait aussi la maturité. Toutes ces choses-là. Et il faut qu'il ait aussi la richesse. Bon, à quoi le pouvoir. Donc Salomon savait très bien que s'il demandait à Dieu la vérité, il manquera de l'intelligence. Et s'il demandait seulement à Dieu, s'il demandait seulement à Dieu la connaissance, ou bien un élément que contient la sagesse, il va manquer tous les autres éléments. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la sagesse
Et dans la sagesse, tous ces éléments vont se développer. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, parce que tu n'as pas demandé pour toi des terres, des biens, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire de ce monde, et que tu as demandé la sagesse, voici, je t'augmente ceci, et je te bénis, je t'enlève et je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Donc, nous comprenons même par là que la sagesse elle-même, c'est Dieu. La sagesse est la science de la réflexion. Et elle nous définit en réalité le caractère de Dieu lui-même. La sagesse nous montre comment Dieu lui-même se manifeste, comment Dieu lui-même agit, comment Dieu lui-même travaille. Donc nous devons aussi être habités par la sagesse si nous voulons être comme Jésus-Christ. Si nous n'avons pas la sagesse d'en haut, tout ce que nous allons faire sera chanel. Ce n'est pas la sagesse des hommes, ce n'est pas la sagesse des vieillards, ou la sagesse des cheveux blancs, ou la sagesse des vieilles dames, des vieilles femmes, ou comme nous entendons dans la tradition, dans les coutumes. Non, ce n'est pas ça. C'est une sagesse que Dieu lui-même donne par le Saint-Esprit que nous recevons. Et elle a pour rôle de nous conduire selon Dieu lui-même, de nous conduire et de nous donner de nous transmettre les caractères de Dieu lui-même. Dieu, il a la capacité de créer. C'est pas la sagesse qu'il a cette capacité-là. La créativité. Dieu a la capacité de connaître d'avance, de discerner d'avance. C'est aussi par la sagesse qu'il a cette capacité de voir dans le futur et de discerner. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que toutes ces choses-là habitent pleinement en nous. La sagesse aussi, c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la sagesse de Dieu, la sagesse qui descend dans nous, il manifeste la crainte de Dieu dans tout ce qu'il fait. Parce que, avant d'agir, il fait appel à quoi? À la réflexion. Avant de poser un acte, une action, il fait recours à la réflexion. Et la réflexion maintenant l'enseigne comment il doit agir, comment il doit faire. Mais celui-là qui n'a pas la sagesse de Dieu, quand il veut poser un acte, en même temps, il pose là parce que la sagesse de Dieu ne le coupe pas. Il n'a pas le sens de la réflexion. Il n'a pas le sens de l'intelligence. Il ne réfléchit pas. Il n'a pas cette réflexion qui vient de Dieu, qui peut lui dire, ça, il faut le faire comme ça. Il donne l'intelligence de comment il doit vraiment faire pour réussir dans ce qu'il est en train de faire. Quand vous lisez très bien le livre de Ésaïe 11, Ésaïe 11, vous allez voir, on a parlé des esprits de l'Éternel. Quelqu'un peut me dire ça? Vous allez voir que tous ces esprits se retrouvent aussi dans la sagesse de Dieu. Et on est aussi mentionné dans Proverbe. Parce que tu veux dire, oui, un mot sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de quoi? De qui? De l'Éternel reposera sur lui. Vous allez voir le rôle de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en réalité? Quelles sont ses caractéristiques? Quelle est sa manifestation? Quand quelqu'un a l'esprit de l'Éternel, comment cette personne agit? Comment cette personne fonctionne? Si vous n'avez pas encore ces caractéristiques qu'il va lire, demandez à Dieu la sagesse. Il n'a pas besoin de dire, mais il y a mal. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse et d'intelligence. Et vous avez vu, il a mis la sagesse en haut.
Parce que tout ce qui vient après se retrouve en réalité dans la sagesse. L'intelligence, tout ce qui vient après se retrouve dans la sagesse. C'est aussi comme ça que dans le livre de 1 Corinthiens 12, vous allez voir, quand on parle des dons spirituels, on parle d'abord du don de parole de sagesse en premier. Parce que tous les autres se retrouvent dans ce don-là. Et aussi, vous allez voir, c'est juste une parenthèse. Quand on parle aussi des fruits de l'esprit, vous allez voir l'amour qui est mis en avant. En réalité, le fruit de l'esprit lui-même, c'est l'amour. Mais on mentionne l'amour au début comme étant aussi un fruit parmi les autres. Or, c'est l'amour qui est le fruit de l'esprit, l'amour qui donne la joie, c'est l'amour qui donne la paix, c'est l'amour qui donne la patience, c'est l'amour qui donne la tempérance, la bénignité, la bonté, toutes ces choses. C'est pourquoi on dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour fait ci, l'amour fait ça, l'amour est vérité. Pourquoi? Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est comme ça, quand on parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Et c'est dans cette sagesse-là que se trouve toute la science de Dieu. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il te transmet tous ces éléments-là par sa sagesse. Et tu commences à discerner mieux. Tu commences à connaître. Tu commences à voir clair. Tu commences à avoir la crainte même de Dieu dans ton cœur. Là, il faut savoir que la sagesse de Dieu a commencé à travailler dans ta vie. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il restera la crainte de l'Éternel. C'est bon. Vous voyez, quand nous venons de lire le livre de Proverbes 8, nous avons vu les mêmes traits. Qui a vu ça? Qui a vu? Mais vous n'êtes pas là. Qui a vu ça? Qui a vu les mêmes traits de la sagesse qui se retrouve dans Proverbes 8? Dans Esaïe 11 qu'il vient de lire. La sagesse dit qu'il est la force, il est l'intelligence, il manifeste la crainte de Dieu. Donc, quand j'ai l'esprit de l'Éternel qui repose sur moi, je dois avoir la crainte de Dieu. Je dois marcher dans la crainte de Dieu. Je dois aspirer à la crainte de Dieu. Donc si moi je n'ai pas la crainte de Dieu, je dois réfléchir et poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas ta crainte? Pourquoi ta crainte a disparu? Il faut savoir que la sagesse commence à être diluée. La sagesse tombe. Donc, la balance est en train de descendre. Ça veut dire que tu es en train de perdre le niveau de sagesse que Dieu t'a donné. Si je n'arrive plus à discerner comme avant, comme au début de ma foi, et que je suis malmené par toutes sortes d'esprits, je suis conduit par toutes sortes de doctrines que je reçois, cela montre que je n'ai plus quoi, le discernement. Et la vérité commence à disparaître de ma bouche. Et pour retrouver toutes ces choses, il faut rechercher le chemin de la sagesse. Et le Seigneur lui-même qui est un Dieu sage, un Dieu de sagesse, qui connaît les cœurs, si réellement tu reconnais toutes ces choses, tu vois que toutes ces choses manquent en toi, il te donne la sagesse. Et oui, c'est présent, et dans sa gloire.
Parce que les humbles sont ceux-là qui reçoivent la sagesse. Donc, mais les orgueilleux ne reçoivent jamais la sagesse. N'obtiennent pas la sagesse. Parce que les sages sont les plus humbles. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez ça? Le sage possède l'humilité. Il est il est même l'incarnation de l'humilité. Est-ce que vous savez ça? Mais celui qui n'est pas sage, qui est insensé, il est orgueilleux, enflé de vain orgueil. Et il n'a même pas un seul trait de sagesse en lui, d'humilité en lui. Celui qui possède la sagesse, c'est-à-dire la connaissance, le discernement, la vérité, la crainte de Dieu, la force de l'intelligence, toutes ces choses-là. Normalement, dans la chair, c'est lui qui devait être enflé d'orgueil. C'est lui qui devait montrer qu'il est enflé. C'est lui qui devait montrer qu'il a la capacité de tout faire. Mais cette science-là, cette connaissance, cette faculté que donne la sagesse, ne permet pas à ceux qui la possèdent d'être des orgueilleux. Parce que ça vient avec le caractère de Dieu lui-même. Et nous avons même l'exemple avec Jésus lui-même. Quand Dieu devait sauver le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié lui-même. Il s'est fait quoi? Il s'est humilié lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a en lui tous les caractères de la sagesse. Le sage sait très bien. Je suis supérieur à celui-là. Et je veux lui apprendre, n'est-ce pas? Mais je ne viendrai pas dans un esprit de supériorité pour lui apprendre ce que je veux lui apprendre. Parce que mon objectif, c'est qu'il me comprenne, c'est qu'il comprenne ce que je veux lui apprendre en réalité. Mon objectif, c'est-à-dire, c'est le sage qui parle comme ça. Et ça vient par la science de la réflexion. Il réfléchit, il dit, je suis supérieur à cet homme. Mais je veux lui faire comprendre ce que moi j'ai déjà. Mais quand je viens, j'irai chez lui, j'irai vers lui. Je ne montrerai pas directement que je connais plus que lui. Mais je vais m'adapter à son niveau de connaissance. Je vais m'humilier et créer une ambiance d'amitié. Et c'est pas cette ambiance maintenant que je vais lui enseigner ce que je veux lui enseigner. Pourquoi? Le sage voit directement l'objectif qu'il veut atteindre. Il voit le résultat. Donc, il écarte de son chemin tout ce qui peut l'empêcher d'atteindre ce résultat qu'il cherche en réalité. C'est ce que le notre Seigneur aussi a fait. Il nous a donné l'exemple même de la sagesse. On dit, il était égal à Dieu, mais il n'a pas voulu arracher cette égalité-là. Et il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même, devenant semblable à un homme, et s'humiliant même jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Dieu, il est suprême, il est grand, il est sage, il est connaît, il a la force, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la domination, le règne, le trône, la dignité. Il a tout. Mais il voit l'homme qui est dans le mal, le péché, l'homme qui est vaincu par le diable. Maintenant, pour sauver l'homme, est-ce que Dieu, est-ce que je vais descendre dans ma gloire? Est-ce que je vais descendre avec mes habits voyants? Est-ce que je vais descendre avec ma couronne, avec ma canne, avec mon trône, avec toute mon armée céleste? Et je descends, je dis, voilà homme, je vais te sauver. Dieu a d'abord réfléchi. Il a d'abord pensé.
pensée. Et ne nous comprend. Et c'est ça le sens de la réflexion que possède la sagesse. Quand le sage va poser une nation, il réfléchit. Et ça met quoi? Ça fait naître l'organisation. Il possède un plan. Il réfléchit, il voit si et je fais ça, qu'est-ce que ça va donner. Il projette les choses dans le futur. Bon, nous, on a des clairs et on a un donné pour eux. Donc le Seigneur a compris que pour les sauver, il faut que je devienne comme eux. Là, on sera compréhensible. Là, quand je vais lui parler, il peut me voir, il va me comprendre. Et là, je vais accomplir ma mission. Parce que là, il ne s'agit pas de qui connaît ou qui ne connaît pas, mais il s'agit du but que je veux atteindre. Le but, c'est-à-dire l'amener à comprendre ce que je connais, l'amener à être comme moi. C'est pourquoi le Seigneur a eu le pouvoir de vaincre la mort. Il a eu le pouvoir de nous racheter réellement. S'il était venu par orgueil, personne d'entre nous. Mais il a compris qu'il fallait de l'humilité, de la sagesse, l'humilité qui donne la sagesse et de la pour accomplir ses desseins. Bon, de l'eau, ton nom de Yuwa. Donc pour vivre et marcher parfaitement dans la sagesse d'en haut, il faut posséder tous ces traits-là, ces caractères qui sont liés à Jésus. La réflexion doit être continuellement en nous. Je ne fais pas quelque chose au hasard ou bien je ne prends pas une décision en même temps et je l'exécute sans réfléchir, sans penser aux résultats ou aux conséquences que ça va donner. C'est pourquoi parfois les chrétiens font des erreurs et ils accusent le diable. Oh, le diable n'a rien fait. C'est parce qu'ils n'ont pas usé de la sagesse de Dieu. Ils n'ont pas la sagesse de Dieu et ils ont posé là dans la précipitation. Et quand les conséquences se manifestent, ils commencent à accuser les hommes ou bien accuser le diable ou accuser tous qu'est-ce que le Seigneur veut même dans ma vie de tous les jours, même dans ma vie quotidienne, même dans mon travail, je dois être sage. Avant de poser une action, je dois réfléchir avant de la poser. Avant d'ouvrir ma bouche, je dois réfléchir avant de sortir les mots. C'est ça aussi la sagesse. C'est par la sagesse qu'on peut vivre parfaitement en harmonie avec tous les hommes. Le sage ne se précipite pas, il voit, il observe. Attends. Quand on parle du discernement, c'est l'observation, c'est l'appréciation. Celui qui n'observe pas n'aura jamais le discernement. Donc quand tu demandes le discernement à Dieu, Dieu te donnera une occasion de pouvoir observer et discerner. Ça ne viendra pas comme ça seulement. Il faut que un événement se passe pour que tu observes. Tu ne parles pas. Tu ne te précipites pas. Tu n'es pas agité. Tu n'es pas impressionné. Tu vois, tu observes, tu identifies, tu analyses et tu réfléchis. Et finalement, tu tires une conclusion et c'est là que tu as réellement discerné. Mais lorsque tu te précipites, lorsque tu es agité, lorsque tu es distrait, tu ne peux jamais discerner quelque chose. Alléluia. Amen. Qui veut vivre parfaitement dans la sagesse de Dieu? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Il
lisez-moi Matthieu 11, verset 19. D'accord. On a dit Matthieu, ton repos pour le. Après, vous me lisez Jacques 3, 13. Il est bon, il n'y en a pas. Et puis, je dis le nom de Jésus. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a ses propres œuvres. Les publicains ont condamné Jésus parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus agissait ainsi. Non, ce ne sont pas les publicains, les juifs plutôt, les pharisiens, voilà, ce sont les pharisiens. Parce qu'ils étaient avec les publicains, ils mangeaient avec les publicains. On considérait les publicains comme des voleurs, ceux qui collectent des impôts, ils volent. Mais quand eux ils ont vu Jésus avec les publicains, en même temps, Jésus, ils n'ont pas possédé le sens de la réflexion. Ils ne se sont pas posé de questions. Pourquoi lui fait ça? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça parfois vous réfléchissez ou bien vous agissez. Vous agissez sans réflexion. Ou bien vous prenez des décisions ou vous tirez des conclusions sans analyse. Tu as vu un frère et une soeur debout en train de parler. En même temps, toi tu commences à les condamner en disant que ils sont en train d'entretenir une relation secrète. Or, tu ne sais pas ce pourquoi ils sont en train de changer. Tu vois l'acte, tu vois ce qui est en train d'être fait, mais tu ne vois pas ce qui se cache derrière l'acte que la personne est en train de poser. Pourquoi? Parce qu'il te manque la sagesse. Lorsque tu n'as pas la sagesse, tu vas commettre assez d'erreurs dans ta vie. Tu vas connaître assez de chutes dans ta vie. Tu vas tomber, tu vas te relever, Et tant que tu n'arrives pas réellement à connaître le problème que tu as, qui est le manque de sagesse, tu vas continuer toujours à tomber. Et les chutes que tu rencontreras seront des leçons, d'expériences que Dieu sera en train de te donner et des avertissements de Dieu pour que tu retournes à l'école de la sagesse. Tu vas croire que ce sont les gens qui ne te comprennent pas, ou ce sont les gens qui agissent contre toi, ou qui ne t'aiment pas, ou c'est le diable qui te combat. Mais en réalité, parce que tu n'as pas la sagesse, tu commets des erreurs qui produisent des conséquences néfastes dans ta vie. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire, Jésus avait son objectif. Et il ne pouvait pas parler comme les pharisiens. Sinon, il n'allait jamais atteindre son objectif. Jésus savait que s'il vient vers les publicains, comme Zachée, s'il vient vers eux, il faut qu'il tienne un langage approprié aux publicains. Il faut qu'il se familiarise avec eux. Il faut qu'il soit comme leur ami avant de les convaincre de ce qu'il a fait. Vous voyez? Mais les autres qui l'observent, eux, ils voient la pirette. Et le temps pour le conseil pour nous, le qui dit, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas dit, mais pourquoi il est là avec eux? Directement, ils ont murmuré, ils ont parlé contre lui. C'est pourquoi il faut que désormais, quand tu vois quelque chose, tu vois un acte posé,
où tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, mon envie bravo et le ne porte pas un jugement direct. Entre en toi-même. Fais appel à la sagesse de Dieu et au discernement par la réflexion pour demander à Dieu réellement de te montrer qu'est-ce qui se fait réellement, la vérité. Sinon tu vas parler seulement et tu vas détruire. Or, ça n'a jamais été ça. Tu vas agir avec colère. Tu vas agir sans patience. Et tu vas tout détruire. Mais la sagesse sera toujours justifiée par ses œuvres. J'ai dit Jacques 3, 13, non? C'est la même chose que Jésus a fait, que Jacques a rappelé aux chrétiens de l'époque. Je dis au nom de Jésus. Oui. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Oui, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Mais il manque ses deux points de bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Avec quoi? La douceur de la sagesse. La sagesse, elle est douce. Vous-même regardez tous les éléments qu'on vient de citer. Les 16 éléments, ces caractères, ces atouts ne peuvent pas se manifester dans la colère, ne peuvent pas se manifester dans l'agitation. La connaissance ne se manifeste pas dans l'agitation. L'intelligence ne se manifeste pas dans la précipitation. Tous ces éléments se manifestent dans la maturité. On sent que cette personne, il est mature. Vous devez atteindre ce niveau-là. Vous devez avoir la maturité. Il doit être en vous. La maturité du Christ. C'est pourquoi la Bible dit ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus. Les pensées qui étaient en Jésus doivent m'habiter. Même si j'ai reçu Jésus, ça ne suffit pas. Mais on doit voir, on doit sentir les fruits de Jésus, que Jésus porte en moi. Parce que Jésus est comme une semence qui a été plantée en moi. Donc Jésus a été par la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit vient arroser la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer après? Jésus est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est l'eau vive qui descend du ciel pour arroser la parole sur Qu'est-ce qui va se passer? Ça va croître et donner du fruit. Donc ça veut dire que Jésus en moi doit produire ces fruits-là. Et ce sont des fruits que la sagesse de Dieu produit. Et ça se passe dans la douceur. Ça se passe dans la douceur, comme les Écritures viennent de le dire. Donc je dois tout faire dans la douceur. Quand je parle à mon frère chrétien, à mon frère dans la foi, dans le Seigneur, je dois lui parler avec douceur. Et même quand je dois parler aussi avec les païens, ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore accepté Jésus, je dois aussi leur parler avec douceur. Et je dois porter les fruits de Jésus vers les païens aussi, au milieu des païens. Il dit qu'il montre ses bonnes conduites avec douceur, la douceur de la sagesse. C'est la même chose qu'il dit dans Colossiens 4, 5. Si c'est l'apôtre Paul, il dit conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. De la même manière que vous devez vous conduire avec sagesse avec ceux qui sont dedans, ceux qui sont dans la maison. Même avec les blasphémateurs, même avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, même avec les impies, conduisez-vous avec sagesse. Pourquoi? Dans l'objectif
de les gagner à Dieu, c'est ça. Pour que vous ne soyez pas une occasion de chute pour eux, pour que le nom de Dieu ne soit point blasphémé parmi les païens. Donc, à cause de cela, je dois me comporter avec sagesse et avec douceur. Pourquoi le non-croyant qui est un homme charnel, un homme animal, lui, il est insensé. Donc, lui, il ne réfléchit pas. Donc, si moi aussi, je commence à lui parler avec colère, il va dire, votre Dieu, là, c'est comme ça, lui, il est. Oh Jésus, toi ton Jésus, que tu me demandes d'adorer, c'est ce qui t'attend. Je ne reviendrai jamais dans ton église. Et il va faire quoi? Il ira propager ça partout. Et là, le nom de Dieu est blasphémé parmi les non-croyants. Oh, c'est pas bien. Donc nous devons marcher avec la sagesse de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui vient avec force. Ou devant la situation, on commence à se précipiter, on commence à vouloir chercher comment réfléchir. Non, c'est inné, c'est le Saint-Esprit qui donne. Ça vient, ça fait partie de la nouvelle naissance. Si nous avons vraiment la nouvelle naissance de Dieu, nous avons tous ces éléments-là qui marchent avec nous, qui travaillent en nous. Et c'est ces choses-là qui peuvent nous conduire au ciel. Ça pourquoi il dit si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et nous avons dit que 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 nous avons dit. Donc, je dois marcher dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne se limite pas à la connaissance. Elle ne se limite pas à la réflexion, elle ne se limite pas au discernement ou à l'intelligence, mais elle me procure aussi quoi? La crainte de Dieu. L'insensé ne craint pas Dieu, mais le sage craint Dieu. Le sage selon Jésus, selon Dieu, selon la Bible. Et non le sage selon le monde. Parce que les sages du monde sont orgueilleux. Est-ce que j'ai menti? Les savants de la terre sont orgueilleux. Ils sont parce qu'ils connaissent beaucoup. C'est eux qui discernent mieux. C'est eux qui ont la connaissance. Ils ont la science des mystères. Ils ont beaucoup, ils connaissent. Ils inventent. Ils ont la créativité. Et ils sont orgueilleux. Et ils ont rejeté Dieu. Ce n'est pas de cette sagesse que nous parlons. Nous parlons de la sagesse que Dieu lui-même donne par le Saint-Esprit à tous ceux qui acceptent et tous ceux qui croient en Jésus. Cette sagesse fait quoi? Cette sagesse te rend humble dans tout ce que tu fais. Parce que tu sais que tu l'as reçu gratuitement. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force, mais c'est par lui que tu l'as reçu. Donc tu lui dois tout ce que tu as reçu. Et même quand tu manifestes tous ces caractères-là, en réalité, tu ne te sens pas au-dessus de quiconque. Bon, et parce que c'est normal, c'est naturel. Ça s'impose, c'est nécessaire. Ça s'impose à toi. Donc, c'est nécessaire. Parce que tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens. Donc, à la soeur qui soit des tons. Alléluia. Tu vas retourner. Tu vas retrouver dans le livre de Jean 3, verset 14. Et avant cela, je vais lire ce verset de Luc 10. Luc 10, le verset 21. Quand Jésus était en train de venir de parler, Luc 10, 21, je vais d'abord lire ce verset avant que tu continues. Il dit, il est écrit, en ce moment même, Jésus était dans les débats avec les pharisiens, les sages. Les sages de ce monde, parce qu'en Israël, ils étaient très intelligents. Pas la loi, ils connaissent le bien, le mal, ils ont appris la loi. Mais ils ne connaissent pas la nouvelle essence. Ils ne connaissent pas Jésus. Et ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Il dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui Père, je te loue de parce que tu l'as voulu ainsi.
Bon, à ça, nous aimons les biocles et biocobulés. Donc, est-ce que vous voyez? Les sages, on les cache encore. Les sages de la terre, les intelligents, on les cache. Mais les enfants, c'est-à-dire les humbles, ceux qui ne s'estiment pas connaître quelque chose, même s'ils connaissent, ils disent qu'ils ne connaissent rien. Parce que c'est Dieu qui connaît. Ils ont le langage de Jean-Baptiste. Dans Jean 3, 30, ils disent qu'ils croissent, répétons ensemble, qu'ils croissent et que moi je diminue. Que Jésus croise et que je diminue. Parce qu'ils ont ce langage-là, parce qu'ils sont des enfants, je leur donnerai quoi? La connaissance. Je leur donnerai ma sagesse. Je leur donnerai le discernement. Je leur donnerai la fille de mon nom. Je leur donnerai l'intelligence. Ils ne seront plus des enfants. Même s'ils s'estiment être des enfants pour être humbles, ils ne seront plus des enfants sous le rapport de la connaissance, sous le rapport de la sagesse. Ils seront des hommes parfaits parce qu'ils connaissent Dieu. Donc pour avoir toutes ces choses, il faut l'humilité. La sagesse, c'est pour la sagesse de Dieu, c'est pour les humbles. Même dans le monde, ceux du monde savent très bien que la sagesse est pour les humbles. Seulement que certains d'entre eux s'enorgueillissent. Tant que tu n'es pas humble, tant que tu ne cultives pas l'humilité, tu ne peux pas atteindre un niveau donné. Tu vas voir un petit enfant et tu vas le mépriser. Or, ce petit enfant connaît quelque chose que tu n'as pas. Et parce que tu l'as méprisé, tu ne l'auras jamais avant ta mort. Donc tu avais besoin de ça pour vraiment atteindre tes objectifs. Amando Noué, il y a encore une famille de mon arrière avec ton don. L'eau, n'est qu'à l'eau, il y a encore une aussi bonne moyenne. Bon, Amando Noué, pour nous occuper. Voilà. Oh, Dieu demande à tous ses enfants d'avoir la sagesse et de la manifester. Ça s'impose, comme je viens de le dire. La sagesse s'impose. Ce n'est pas que c'est à force de t'enseigner que tu vas acquérir la sagesse, parce que l'esprit que tu as reçu est un esprit de sagesse. L'esprit que tu as reçu est un esprit de connaissance. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il faut demander au Seigneur de t'accorder sa sagesse. Il faut demander à Dieu de t'accorder sa sagesse. Comme le frère Jacques l'a dit dans la Bible. Il a dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qui la demande à qui? À Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée dans chacun sait. Donc Dieu lui donne gratuitement. Il donne à tout le monde. Il donne simplement. Si tu le demandes, tu demandes la sagesse, Dieu va te l'accorder. Et toi, tu vas voir que ta vie va changer. Même la sanctification dont nous parlons, sans la sagesse, tu ne peux jamais te sanctifier. Les insensés ne se sanctifient pas. Parce qu'ils vivent une vie de désordre, une vie de pagaille. Mais lorsque tu as la sagesse, avant de faire quelque chose, tu réfléchis. Tu réfléchis. Et parce que tu as réfléchi, la réflexion te dira, oui, c'est bon, tu peux le faire. C'est pas grave. Ou la réflexion te dira, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, voici les conséquences que ça va t'engendrer. Si tu commets la fornication, tu auras une grossesse non désirée. Même si tu demandes pardon à Dieu, tu auras une grossesse non désirée que tu vas transporter. Tu seras un fardeau pour toi. Tu auras un enfant sans père. Tu auras le VIH. Tu auras l'hépatite. Même si Dieu aussi te pardonne, les conséquences sont là. Mais lorsque tu marches dans la sagesse, avant de t'approcher, tu fais le contour, tu réfléchis. Si je fais ça, ça va donner ça. Si je ne fais pas, ça ne donne rien. Alors, il vaut mieux ne pas le faire. Quand je veux pécher, je fais appel à la réflexion.
Tu vas voir, quand tu as fini de réfléchir, tu ne pourras plus jamais le faire. Bon, tu ne peux pas le faire. Mais lorsque tu ne réfléchis pas et que tu es poussé par le désir, le désir que tu sens, le désir que tu ressens en même temps, tu vas commettre le péché. Tu vas faire le commettre le mal. Et après, tu vas regretter. À son dieu en bloc, bon, et en bloc, en bas, c'est ouvert. Alléluia. Lis-moi le verset. Oui, j'avais dit Jacques 3, 14. Oui. Alléluia. Clamons le Seigneur Jésus. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Ouais, lequel d'entre vous est sage et intelligent? On met les deux ensemble. La sagesse et l'intelligence. Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Il montre ses œuvres avec une bonne conduite. Pas une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Hein? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Vous voyez, est-ce que vous comprenez quelque chose? Ne mentez pas contre la vérité. Le zèle amer est le contraire de la sagesse. C'est le contraire directement. Parce qu'il a dit, ne mentez pas contre la vérité. Oh, la sagesse. Dis la vérité, n'est-ce pas? Et aussi, il a dit quelque chose, premièrement. Non, reprends le verset. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez. Ne vous glorifiez pas. Voilà, ne vous glorifiez pas. Pourquoi? Parce que celui qui a le zèle amer se glorifie. Celui qui n'a pas la sagesse de Dieu se glorifie. Pourquoi? Parce qu'il pense et il se confie en ses propres œuvres. C'est bien, les œuvres sont indispensables. Mais je ne dois pas me confier en mes propres œuvres. Dis à ton frère, tu ne dois pas te confier en tes propres œuvres. Tu ne peux pas te confier en tes propres œuvres. Mais il est mieux de te confier en Jésus-Christ. Alléluia. Continue. Cette sagesse ne pousse celle d'en haut. Mais parce que lorsque tu te confies en tes propres yeux, qu'est-ce que ça n'est? Ça n'est l'orgueil. Tu te glorifies. Et tu peux mentir contre la vérité. Parce que ça engendre naturellement l'orgueil, c'est normal. C'est quelque chose qui vient. Parce que tu n'as pas réfléchi avant de poser l'acte. Tu n'as pas usé de la sagesse. Tu as usé de la sagesse des insensés. Donc pour vivre parfaitement de la sagesse d'en haut, il faut que vous adoptiez tous ces éléments. Il va même citer les éléments qui caractérisent la sagesse. On a vu dans Ésaïe 11, on a vu dans Proverbe 8, mais on va aussi voir dans Jacques 3 ce que les apôtres ont aussi dit. Alors, il y a un zèle amer, oui, et un esprit de dispute. Oui. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sagesse. Si je n'ai pas la sagesse, et il m'a donné, je vais poser des actions qui vont se retourner contre moi-même. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Voilà. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Mettez, pureté. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Ensuite, pacifique. La sagesse d'en haut recherche quoi? La paix. Et non pas pipa. Modéré. C'est-à-dire, la sagesse ne multiplie pas de vaines paroles. La sagesse ne fait pas les choses de façon extravagante pour attirer les regards, pour attirer les yeux. Tu voulais dire quoi? La sagesse ne fait rien avec excès. Exactement. La sagesse n'est pas dans l'excès. La sagesse est dans les normes. Parce que l'excès, parfois les choses se font. On fait les choses dans l'excès pour impressionner les autres, pour attirer les autres. Voir que nous sommes importants, que nous sommes les plus forts. Ou bien, c'est les choses de la nature humaine.
que Dieu veut que nous enlevions. Si nous avons la sagesse, avant de le faire, tu as réfléchi. Si je le fais, est-ce que je le fais pour quoi? Je le fais pour qui? Alors c'est inutile de le faire. Je ne le fais pas. Continue la lettre. Conciliante. Pourquoi? Dieu aussi nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Si tu n'es pas humble, tu ne peux jamais rechercher la pureté. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas faire les choses avec modération. Si tu n'es pas humble, qu'est-ce qu'il a dit après? Voilà, tu ne vas pas faire miséricorde. Tu ne peux pas faire miséricorde parce que tu n'es pas humble. Et là, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Vous voyez que c'est important d'avoir la sagesse de Dieu. La sagesse englobe toute notre vie chrétienne. C'est le tournant, ça englobe toute notre vie chrétienne. Tous les enseignements qu'on va te donner dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, qui vont te permettre d'aller au ciel. Cette sagesse, ces enseignements, la base, le fondement, c'est la sagesse. Donc, si je poursuis la sagesse, j'ai gagné Dieu, j'ai gagné tout. Mais si je manque de sagesse et que je suis insensé, j'ai tout perdu. Donc, il vaut mieux pour moi de chercher la sagesse, de chercher à gagner la sagesse, à acquérir davantage la sagesse. Et de bons fruits. Et de bons fruits. Nous venons de le dire. Nous devons produire de bons fruits. Une bonne conduite. Alléluia. Nous devons avoir une bonne conduite et avoir de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Est semé de quoi? Dans la paix. Par ceux qui recherchent la paix. Que par ceux qui recherchent la paix. Et ceux-là sont appelés quoi? Des hommes sages selon Dieu. Donc, je dois rechercher la sagesse. Et c'est dans ça qu'on saura que je suis un homme sage. Quand est-ce que moi-même, je saurai que je commence à avoir la sagesse? C'est lorsque les situations se présenteront devant moi et que j'aurai l'occasion, le privilège, l'opportunité de manifester le désir que j'avais manifesté pour avoir la sagesse, de manifester cette sagesse-là devant la situation. Quand tu demandes la sagesse à Dieu ou tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne, mais pour te prouver qu'il te l'a donné, c'est pas une situation qu'il te montre, qu'il te l'a donné réellement, que tu l'as reçu ou que tu l'as. Et à bien des mauvais, quand tu demandes, Seigneur, je ne veux plus parler mal aux gens, je ne veux plus insulter les gens, aide-moi. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va susciter un colérique qui va te provoquer. Pour voir si toi aussi tu vas le reprendre avec colère, avec les injures. Dieu va susciter un homme méchant qui va te faire la pire des choses que tu n'aimes pas. Et Dieu cherche à voir ta réaction. Si tu réagis mal, ça montre que tu n'as jamais changé. Mais si tu réagis avec modération, Dieu saura que là, mon fils a changé. Toi-même, tu comprendras après que je n'ai pas réagi comme toujours. Donc ça montre que Dieu est en train de me transformer. Ça montre que je suis en train de marcher vers le niveau de la sagesse. Je suis en train de marcher vers la sagesse. Et chacun d'entre nous doit cultiver la sagesse. Vieillard, jeune, adulte, enfant, adolescent, tu dois cultiver
la sagesse. C'est très important, c'est indispensable même. Et le temps dans mes. Dieu te l'a donné. Mais il va la, cultiver lorsque tu seras devant les événements. Lorsqu'il faut résoudre un problème, l'intelligence doit venir. Oui, nous, il n'en a fini. La créativité aussi, la création doit venir pour montrer ce que tu sais faire. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Lorsqu'il faut résoudre aussi un problème, la miséricorde doit venir, la paix aussi doit venir, la patience aussi doit venir. Et tu comprendras réellement que je suis en train d'acquérir la sagesse. Mais si tu n'as pas ces choses, va demander à Dieu, je te les accorder. Mais quand tu demandes, sache que Dieu aussi va te prouver par quelque chose, par un événement, par une situation, pour déterminer si tu l'as réellement reçu. Bon. C'est fini. Alléluia. Vous allez me lire aussi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, le verset 17. Après aussi 1 Corinthiens 2, 14. Lisez 1 Corinthiens 1. Ce n'est pas pour baptiser et que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue belle. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour nous, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligences. Où est le sage? Les intelligents, hein? L'intelligence des intelligents. Voilà. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Voilà. Dieu appelle la sagesse du monde folie. La sagesse du monde pour Dieu, c'est la folie. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir la sagesse du monde. Il faut être sage, même selon le monde. Quand on dit selon le monde, ce n'est pas le monde du péché. Selon la connaissance, être intellectuel, étudier tout ça, c'est bon, c'est important, c'est essentiel. Mais ça là, pour Dieu, ça c'est néant, c'est rien. Parce que tu peux avoir tout ça, mais tu n'auras pas les fruits de l'esprit. Ça va t'aider dans la société, parce que la société d'aujourd'hui est faite comme ça. Et c'est important, tu auras ça. Et tu vas l'apprendre, la c'est le monde qui va t'apprendre ça. Mais dans le cadre spirituel, ça ne concorde pas. Dieu ne marche pas avec la sagesse des hommes. C'est pourquoi là où les hommes croient que Dieu se trouve, il ne se trouve pas là. Il se cache pour se révéler. Les hommes croient que Dieu se retrouve dans les grandes choses, mais Dieu se retrouve pour la plupart du temps dans les petites choses. Et c'est dans les petites choses qu'il veut manifester sa gloire. Continue. Où est le sage? Oui. Où est le scribe? Pour les discuteurs de ce siècle, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avait sa sagesse. N'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, c'est un autre niveau. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, les Écritures sont claires que le monde, malgré sa sagesse, malgré sa connaissance, malgré son intelligence, malgré tous les savants que nous avons, le monde n'a pas pu connaître Dieu. Depuis tout ce temps, même jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas connu Dieu. Pourquoi? Ils se confient en leurs inventions. Ils inventent les armes nucléaires les plus puissantes. Ils ont le pouvoir de créativité, de création. Ils connaissent tout. C'est eux qui sont sur le terrain, sur le terrain des échanges, sur les marchés, dans l'investissement, dans la politique, dans tous les domaines sociaux, ils se retrouvent, c'est eux. Mais ils n'ont pas Dieu.
Donc, le monde dans toute sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans lui sa sagesse. Donc, parce que la sagesse de Dieu est différente pour le monde. Et la sagesse de Dieu est connue pour le monde. La sagesse de Dieu est très simple. Accepter Jésus. Mon fils. Et vous serez sauvés. Pour le monde, c'est une folie. Parce que pour eux, c'est la rationalité. Pour eux, c'est la connaissance qui est vérifiée. Pour eux, c'est la poursuite de la recherche des informations. Ils veulent que tout soit rationnel. Ils veulent une théorie pour déterminer ce qui est fait ou ce qui existe. Donc pour eux, c'est une folie. Comment un homme peut mourir et ressusciter en 3 jours 7? Ça n'existe pas. Là, ça devient folie. Or, Dieu, lui, il nous demande d'avoir sa sagesse. Et c'est pourquoi la sagesse de Dieu, comme je l'ai dit au début, juste ici, se sortit par l'humilité. C'est seuls les hommes qui peuvent. C'est seuls les hommes qui peuvent croire ça. C'est comme une folie, c'est bizarre. Comment on va me dire aujourd'hui, au 21e siècle, après 2021 ans, on va me dire que après 2022 ans, voilà, 2022 ou 2023 ans, un homme est mort dans un pays que je ne connais pas, dans un monde que je ne connais pas, dans une culture même que je ne connais pas, un juif est mort. Et à cause de lui, son sang. Moi, je suis sauvé. Et lui, il est mort et il est ressuscité. C'est une folie. C'est comme ça les savants réfléchissent. Leur réflexion s'appuie sur des théories qu'ils ont formées eux-mêmes qui ne viennent pas de Dieu. Pour eux, un homme ne peut pas ressusciter après 3 jours. C'est impossible. Parce qu'il le corps dégrade déjà. Parce qu'il sent mauvais. Parce que les vers vont commencer déjà à se former dans son ventre. Parce qu'il gonfle déjà. Parce que l'âme n'existe plus. L'âme est déjà sortie. Et l'âme ne peut plus revenir. Parce qu'elle est déjà enterrée. Avec beaucoup de théories. Donc, si ça ne peut pas arriver pour que la personne ressuscite, alors je ne peux pas croire en lui. Mais nous marchons dans une sagesse qui ne vient pas de ces hommes. Cette sagesse est descendue du ciel. C'est pas la sagesse du monde que Satan a séduit Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il a posé une question à problématique et il a fait réfléchir à Ève. Dieu a-t-il dit de ne pas manger à ce fruit? Dieu vous a-t-il interdit? En même temps, Ève, ça suscite des questions en Ève. Elle commence à réfléchir. Et maintenant, il a pu encore. Dieu lui-même sait. Que si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu, il est méchant. Dieu, lui, il est mauvais. Il y a des théories comme ça. Dieu, lui, il est méchant. Dieu, lui, il ne nous aime pas. Dieu est l'homme le plus méchant de la terre. Il nous envoie le diable. Et il nous envoie encore en enfer. Or, c'est le diable qui nous envoie en enfer. C'est Dieu le coupable du monde. C'est Dieu le coupable du péché. Il y a des théories comme ça. Qui condamne Dieu, qui accuse Dieu. C'est toujours le venin du diable. Et cette sagesse, ça vient de la chair, ça vient des hommes, ça vient des scientifiques. Et cette sagesse ne peut en aucun cas te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas l'humilité que la sagesse de Dieu peut habiter dans ton cœur. Parce que Dieu lui-même, il est humble. Ou bien, vous savez ça, non? Dieu est humble, Dieu n'est pas orgueilleux. Si Dieu était orgueilleux, il va nous détruire depuis longtemps. Jésus dit, je suis humble de cœur. Et mon fardeau est doux et léger. Je suis humble. Il faut être Dieu pour le dire, je suis humble. Donc tous ceux qui veulent posséder la sagesse de Dieu doivent être humbles. Si tu n'es pas humble, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Si tu es humble, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Allô, nous sommes. Allô, nous sommes. On va continuer. Nous prêchons. Les Juifs demandent des miracles.
et les Grecs recherchent la sagesse. Bon, c'est bon. Va dans 1 Corinthiens 2. Verset 14. 1 Corinthiens 2. Verset 14. Non, attends d'abord. Non, pas 14. Non, pas 14. Le premier verset, ce n'est pas 14, c'est le premier verset. Je cherchais le 6, mais on va commencer par le premier verset. Pour mon frère. On n'a pas besoin du 14, c'est important, mais on n'a pas besoin de ça. Pour mon frère. Oui, pour moi, frère. Quand vous lisez, la manière dont vous lisez la Bible déterminera votre manière de comprendre aussi la Bible. Si vous lisez la Bible comme un roman, vous n'allez jamais comprendre. Donc, il faut respecter aussi les points, les temps. Tout ça, c'est important pour nous. Pour moi, frère, voilà. Frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Ce n'est pas avec quoi? Une supériorité de langage. Et non. Le sens ne montre pas qu'il est plus important que tout le monde. Non, et néant, et ma catégorie. C'est ça que je viens de dire. La sagesse, en réalité, incarne l'humilité, incarne... Il vient vers toi, il sait. Ce n'est pas qu'il ne sait, mais il sait qu'il est plus fort que toi. Il sait qu'il est plus élevé en connaissance. Donc, mais lorsqu'il vient vers toi pour t'apprendre, il s'humilie pour devenir comme toi. Il présente une apparence d'humilité, mais ce n'est pas une apparence trompeuse. C'est ça Paul est en train de dire pour confirmer notre enseignement. Pour de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous. Moi-même, j'étais auprès de vous. Oui. Dans un état de faiblesse. Dans un état de faiblesse. Voilà. De crainte et de grand tremblement. De crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Il parle de quelle sagesse là? Rien de faire pour l'oreille. Oui, quelqu'un pour répondre. C'est important. La sagesse. Non, toi, tu lis. La sagesse du monde. Exactement. Oui. Mais sur une démonstration d'esprit. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. La sagesse des hommes, il vient préciser. Mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, il a précisé qu'il parlait de la sagesse des pour que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse, sur les discours humains. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les Jésus que nous prêchons est une sagesse de Dieu révélée au monde. C'est pourquoi, si Jésus habite en moi, la sagesse s'impose. Ça vient naturellement. Si c'est Jésus qui habite en moi, je dois manifester le caractère de la sagesse. Sinon, Jésus n'est pas encore pleinement en moi. Oh, Jésus doit habiter pleinement dans mon corps, dans mon cœur. Jésus doit être le socle de ma vie. Mon identité doit être identique à Jésus. Mon identité doit être identique à Jésus. C'est comme Jésus est le plan parfait de Dieu. Tu as tracé le plan. Et il veut que tout homme soit comme Jésus. C'est comme on fait un plan prototype, qu'on applique à toutes les autres constructions. C'est Jésus qui est ce plan. Donc Jésus est sagesse. Moi aussi je dois être un homme de sagesse. Jésus est un homme de force. Je dois aussi être un homme de force. Jésus est un homme de puissance. Je dois aussi être un homme de puissance. Jésus est un homme de cœur. Jésus est doux. Moi aussi je dois être un homme de cœur et je dois être doux. Jésus est patient. Jésus ne s'enfonce pas d'orgueil. Moi aussi je ne dois pas être rempli d'orgueil. Je ne dois pas m'enfler d'orgueil. Et je dois être patient dans tout ce que je fais. Jésus a tous ses traits. Moi aussi j'ai ses traits. Jésus est moi aussi je suis. Jésus est je suis. Et pourquoi? Parce que je suis Jésus. Je vois Jésus. Je veux être comme Jésus. Donc Paul a dit quelque part dans le verset 3.
c'est le verset 3, il dit, je n'ai pas cherché à connaître autre chose parmi vous, au milieu de vous, que Christ, ou bien Jésus-Christ crucifié. C'est deux. C'est le verset 2. C'est le verset 2. Il dit, il n'a pas besoin, il ne veut même connaître aucune autre chose. Donc, si ce c'est Jésus qui doit être au milieu de vous. Jésus doit être fondé en vous. Par la sagesse, vous allez voir et expérimenter Jésus dans votre vie. Chaque chrétien par la sagesse de Dieu aura en réalité les traits de Jésus, les caractères de Jésus qui vont l'habiter. Quand il marche avec confiance, parce qu'il se confie en Jésus. Quand il vit pour Jésus. C'est ça qu'on essaie d'exprimer. Et il dit, quand je vis pour Jésus. Et quand je mange, quand nous mangeons pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, le faisons pour le Seigneur, pas le Seigneur. Il venait lui parler ainsi pour inculquer ses connaissances aux croyants de l'époque. C'est-à-dire, vous devez être comme Jésus. Donc le fait de leur répéter cela devient leur habitude. Ça s'impose à eux finalement. Ils comprennent qu'ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas vivre sans ressembler à Jésus-Christ. Donc si vous voulez réussir votre vie chrétienne, vous devez travailler pour avoir les caractères de Jésus-Christ homme. Et Jésus-Christ homme. Et il me balance en présent, dit-toi ton pipe, et quoi, après le maou, tu m'as mis de l'antenne, quoi, quand on a dans un présent, puis il tombe, puis il est béton dans ça. Jésus-Christ, homme, puisqu'il a vécu dans la chair comme nous, donc, et il a manifesté tous ses caractères, il a été tenté comme nous. Mais dans la tentation, il a fait quoi? Il a surmonté. Il n'a pas succombé. Donc nous aussi, c'est possible. C'est bien possible qu'on puisse atteindre son niveau. Donc il faut que nous prenions Jésus comme reflet, comme miroir. Et quand je me mire dans le miroir, je dois voir Jésus. Quand je me regarde, je dois voir Jésus. Ainsi, quand les non-croyants me regardent, ils doivent voir Jésus. Donc ma sagesse doit reposer sur la sagesse de Jésus. Si je dis que je connais, ma connaissance doit reposer sur l'humilité. Si ma connaissance doit reposer sur l'orgueil. Si je crois que je suis le seul qui connaît que tout le monde, là je suis orgueilleux. Si je crois aussi que je suis le seul que Dieu aime sur la terre, je suis un orgueilleux. Si je crois, je pense que je suis le seul qui connaît aussi Dieu. Que tout le monde, je suis un orgueilleux. Si je pense et je crois que je suis le seul enfant ou le seul homme de Dieu sur la terre ou le seul serviteur de Dieu que Dieu aime, que Dieu a appelé, je suis aussi un orgueilleux. Mais cet homme a autant de problèmes. Parce que je ne vis pas dans l'humilité. Même si je crois être le seul, je ne le montrerai pas. Parce que ce n'est pas moi qui me déclare être le seul. Qui me déclare, c'est Jésus. C'est Dieu qui déclare que je suis le seul ou que je ne suis pas le seul. Donc je n'ai pas besoin de montrer à quelqu'un que ce soit que je suis le seul ou que j'aime Dieu plus que tout le monde. Et le noyau, on a des glaires, donc je dois marcher parfaitement dans la sagesse qui vient d'en haut. Comme Jacques l'a dit. Pacifique, pur, modéré et non extravagante. C'est modéré qui n'est pas et ne se retrouve pas dans l'essai. La sagesse d'en haut doit être ma nouvelle culture. Ma culture, c'est la culture de la sagesse. Nous devons grandir en sagesse. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, quand on vient à l'église, qu'un nouveau vient à l'église, il doit sentir ça. Cette maturité de sagesse. Qui fait qu'on accueille même les faibles dans la foi. Sans au premier abord disputer des opinions. Parce qu'on sait que ce faible de la foi n'a pas le même niveau de connaissance que moi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aider, le conduire avec sagesse et maturité pour qu'il soit réellement bâti
et ils deviennent aussi un maître comme moi. C'est comme un nouveau-né. Quand il est né nouvellement, il ne peut pas marcher. Donc quelqu'un qui croit en Jésus aujourd'hui ne peut pas atteindre le niveau que toi tu as, ne peut pas tout faire. Il ne peut pas se sanctifier totalement aujourd'hui. C'est impossible. Parce que lorsque tu vas vouloir le faire, tu vas faire quoi? Tu vas faire de lui un pied bancal. Tu vas faire de lui un enfant immature et prématuré. Il va grandir, mais il n'aura aucune connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'a pas été bien servi, il n'a pas été bien accompagné, mais on l'a propulsé en même temps. Il a atteint le niveau élevé, mais en bas, c'est le vide. Quand on fait comme ça, un petit vent souffle, il va tomber. Bon, on continue. Vous voyez? Moi. Donc le nouveau-né, on fait quoi? On l'aide. On pose ses pieds. Et on le pousse un peu, on l'aide. Il part. Même s'il tombe, on le relève. On ne peut pas prendre un fardeau de maïs, mais sur la tête d'un enfant de 2 ans ou de 3 ans. On peut le faire. Vous mangez d'autres talents de rien. Donc ceux qui ont la sagesse de Dieu comprennent ça. Mais moi j'ai 15 ans dans la foi. Je peux porter même un bus sur ma tête. Je peux transporter même une montagne parce que Jésus m'a donné le pouvoir et la force. Mais lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut même pas. Donc je dois comprendre, je dois avoir cette connaissance-là. Il ne peut pas. Même si je force les choses, il ne peut pas le faire. Si je le fais, je vais le tuer, je vais le détruire. Je vais tuer sa foi, il sera prématuré. Je croirais que je l'ai gagné, j'ai travaillé. Je le vois, je suis fier, tout ça. Mais en réalité, j'ai raté les bases. Et il sera un chrétien bouilleux, un faux chrétien. Je croirais que j'ai formé un chrétien, mais en réalité, j'ai formé un faux chrétien. Pourquoi? Je n'ai pas respecté les étapes pour qu'il grandisse, pour qu'il atteigne la maturité. C'est important, c'est la sagesse. Il faut vivre dans la sagesse. Et on continue la lecture. Donc, on va finir. Cependant. C'est une sagesse que nous prêchons. Parmi les parfaits. Hein? Sagesse qui n'est pas. Quand il parle des parfaits, il parle de qui? Ceux de l'église. Hein? Oui. Les saints, les parfaits. Parce que Dieu vous a rendu parfait. Et il vous appelle parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Hein? C'est ça, non? Ni des chefs de ce siècle. Donc ça montre que les chefs de ce siècle ont aussi leur sagesse. Ils ont leur sagesse. Les chefs coutumiers ont leur sagesse. L'État a sa sagesse. Et il établit ses lois. Chaque État a sa sagesse. Ou bien, chaque pays a sa sagesse. Mais toutes ces sagesses, quand on les met ensemble, ça ne peut pas supporter, ça ne peut pas égaler ou être comparé à la sagesse. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Qui est la sagesse de Dieu? Qui est la sagesse de Dieu? Jésus-Christ. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour la gloire. C'est-à-dire que Dieu, avant le début du monde, avant le commencement du temps, avait déjà destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu. Jésus pouvait dire qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas obéir au Saint-Esprit parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne peuvent pas recevoir Christ parce qu'ils ne le connaissent pas. Il disait à ses disciples, vous le connaissez et vous l'avez déjà reçu. C'était lui-même. Mais eux, parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas le recevoir. Pourquoi? Il s'est caché pour se révéler. Donc Dieu se cache pour se révéler. C'est comme ça que Dieu travaille. Il se cache. Il est toujours dans la cachette. Même jusqu'à aujourd'hui, il est dans la cachette. Et il se révèle à qui il cherche. Dieu se cache toujours. C'est ça qui fait sa gloire.
C'est pourquoi les vieillards, les anges, ne peuvent pas regarder son visage. Et ils se prosternent devant lui. Bon, mais quand Jésus est venu, le visage a été découvert. Et les anges ont pu voir le visage de leur Dieu. Et aujourd'hui, nous, on peut voir clairement son visage. Continue. On va finir. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu. Car s'ils l'eussent connu, nous et aucune d'ailleurs. Hein? Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est fini. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est fini, non? C'est bon. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, Dieu nous a révélé toutes ces choses par l'Esprit. Donc, j'ai besoin de l'Esprit. De quel Esprit? L'Esprit de la sagesse. Qui sont même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de la sagesse va puiser en Dieu et il viendra te donner. Il va prendre ton envie et te donner. Et il donne à ceux-là qui se considèrent ne rien avoir, ne rien connaître. Parce qu'il dit même à celui qui est là. Pourquoi? Il estime qu'il a dit quelque chose. Oh, il n'a rien. C'est quand tu penses que tu as que Dieu dit que tu n'as pas. Même si tu as, considère-toi ne rien avoir. Parce que c'est Dieu qui te donne ce que tu as. Mais il peut le prendre à tout moment. Et tu dois lui rendre compte. Donc, quand tu marches avec cette pensée, tu marches dans la sagesse. Tu vis dans la sagesse. Et tu te rapproches en davantage du royaume de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Nous avons vu que la sagesse est importante pour nous. Nous devons avoir la sagesse. La sagesse est Dieu lui-même. Et la sagesse était au commencement, même lors de la création. Je ne voulais pas qu'on lise tout le livre de Proverbes parce que c'est trop long. Vous allez méditer ça à la maison. Même tout ce qu'on a dit, ça se trouve dans ce livre. Proverbes 8. Méditez bien à la maison. Cultivez ce livre. Étudiez ce livre. Vous aurez beaucoup de richesses qui vont vous aider. Même dans votre vie sociale. Dans tout, ça va vous aider. Et même dans votre foi, dans votre marche, même en communauté, pour que vous ressembliez réellement au Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier, comme Jacques l'a dit dans Jacques 1:5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il demande à Dieu. Il donne à tous seulement gratuitement. Il va demander à Dieu de te donner sa sagesse. La sagesse qui vient du ciel. La sagesse qui vient d'en haut. Qui te l'accorde. Qui te donne sa sagesse. Que sa sagesse habite en toi. Et que tu marches et raisonnes comme un homme sage. Oui, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur, nous prions. Oui, ton peuple soupire. Ton peuple veut atteindre la sagesse. Ton peuple veut atteindre, oui, ta connaissance. Mais Seigneur, il ne peut l'atteindre. Oui, sans toi. Parce que tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses leur accorder ta sagesse. Parce que tu as dit, si quelqu'un veut la sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu lui accordera. Je prie que tu leur accordes cette sagesse qu'il recherche. Afin qu'il puisse marcher, vivre dans tes sentiers. Seigneur, accorde à chacun la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Accorde la sagesse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as demandé au Seigneur l'intelligence, le discernement, la crainte de Dieu. La force que donne la sagesse de Dieu.
la maturité. Tu vas demander toutes ces choses, la paix, la sagesse. Parce que la sagesse est pacifique. La modération que donne la sagesse. Tous ces éléments que je viens de citer dans l'enseignement. Tu vas demander au Seigneur de te les donner. Pour que devant les situations, tu puisses réellement les manifester. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tes enfants. Oui, ils ont besoin de ta sagesse. Et manifester aussi ta sagesse. Alors, Seigneur Jésus, je prie. Oui, que tu leur accordes cela. Je prie que tu leur accordes cela. Je prie que tu leur accordes, Seigneur. Je prie que tu leur accordes cela. Oui, Seigneur, ils en ont besoin. Ils ont besoin de ta sagesse. Ils ont besoin de ta connaissance, de l'intelligence, de manifester la paix, de manifester l'amour. Oui, Seigneur, je prie. Oui, Seigneur, que tu es d'accord. Je prie 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 que tu es d'accord. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as demandé au Seigneur de bannir de toi toute sagesse qui n'est pas de lui. Toute sagesse qui vient de tes raisonnements. Qui te fait croire que c'est toujours toi qui as raison. Qui te fait croire que c'est toi qui connais que tout le monde. Qui te fait élever même au-dessus de la connaissance de Dieu. Toute sagesse qui ne vient pas du Père. Comme toute plante qui n'a pas été plantée, toute arbre qui n'a pas été plantée par Dieu, doit être enracinée. Que cette sagesse soit ôtée de ton cœur. Que cette sagesse soit enlevée de ton cœur. Et que le Seigneur fasse de toi un nouvel chacun. Qui au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie maintenant. Je prie, Seigneur, que tu libères les cœurs de toute mauvaise parole. Oui, de toute parole insensée. Toute parole insensée dans les cœurs. Toute mauvaise parole. Oui, Seigneur, toute mauvaise pensée qui ne vient pas de toi, Seigneur, soit enlevée de leurs cœurs. Afin que la sagesse de Dieu se manifeste en eux. Afin que la sagesse de Dieu se manifeste en eux. Afin que ta sagesse se manifeste en eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas demander au Seigneur qu'il vous accorde tous en communauté de vivre dans sa sagesse et pas sa sagesse. Afin d'être des hommes parfaits. Des femmes parfaites, une église glorieuse, une église puissante, une église solide, que les fondements de la sagesse soient établis maintenant parmi vous. Priez au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions maintenant pour ton église à Calabrie. Seigneur, que cette église soit bâtie, Seigneur, sur la sagesse d'en haut. Que cette église soit bâtie, Seigneur, sur la sagesse de Dieu. Seigneur, sois renforcé dans les liens de paix, les liens d'amour, les liens de justice. Que cette église fonctionne, oui, Seigneur, parfaitement, comme tu l'as voulu pour toute ta vie. Oui, avec la sagesse que tu t'occupes, avec la sagesse que tu donnes. C'est que cette église, Seigneur Jésus, puisse vivre en communauté, oui, Seigneur, selon la sagesse divine, selon la sagesse que tu donnes, selon la sagesse que tu transmets. Oui, Seigneur, il vient de toi. Et Seigneur, rends-les parfaits. Rends-les parfaits dans leur relation. Rends-les parfaits, oui, Seigneur, dans leur vie à la communauté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas aussi prier de demander au Seigneur Jésus de t'accorder la sagesse dans tes affaires.
La sagesse d'après sa activité. Pour que tu ne construises pas pour renverser encore. Mais que tu bâtisses et que par la sagesse tu maintiennes jusqu'au sommet. Que tes activités prospèrent par la sagesse. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants. Seigneur, je prie que tu les accordes la sagesse, même dans leurs entreprises. La sagesse, même, oui Seigneur, oui, dans leur position sociale, oui Seigneur, dans leur niveau professionnel, dans leurs études, à l'école, que tu leur accordes la sagesse, même au travail, que tu leur accordes la sagesse. Je prie que ta sagesse déborde, Seigneur, qu'ils soient des hommes sages, qu'ils soient cultivés, qu'ils soient conscients, Seigneur, oui, que tu leur des hommes sages, oui Seigneur, je prie que tu leur donnes cette science, cette connaissance, cette intelligence. En toutes choses, oui Seigneur, pour ta gloire, pour manifester ta gloire, je prie Seigneur que ta sagesse se cache, que ta sagesse se manifeste, que ta sagesse, oui, les utilise pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce message que tu nous as donné, pour nous nourrir davantage. Seigneur, tu as voulu que ton Église, oui, marche dans la sagesse. Tu as voulu que nous vivons dans la sagesse et pour la sagesse. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à accueillir cette sagesse. Amen. Seigneur, nous, nous ne connaissons rien. Nous n'avons aucune intelligence, aucune connaissance. Mais c'est par toi que nous détenons l'intelligence et la connaissance. Alors, Seigneur, accorde-nous l'intelligence. Accorde-nous la connaissance. Élève notre niveau de foi. Élève-nous spirituellement pour que nous puissions atteindre le niveau parfait de Christ. Pour que nous soyons trouvés comme des hommes parfaits selon Jésus. Pour que, Seigneur, nous ne marchions plus selon les œuvres de la chair. Pour que nous n'agissions plus selon nos pensées charnelles. Pour que nous n'agissions plus selon la sagesse que nous avons acquérie du monde. Mais que nous agissons par la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, que l'humilité gagne nos cœurs. Seigneur, que, oui, l'humilité gagne nos vies, gagne nos cœurs. Afin que dans nos relations mutuelles, nous soyons un. Seigneur, je prie, oui, que dans cette communauté, Seigneur, ta sagesse les conduise. Amen. Que tu les conduises par ta sagesse. Amen. Que tu les conduises par ta paix. Amen. Afin que tout ce qu'ils feront, Seigneur, ils puissent le faire par la sagesse de Dieu. Pour la gloire de ton nom. Amen. Seigneur, je prie aussi pour leurs activités. Je prie pour leurs entreprises. Je prie aussi, Seigneur, pour leur niveau professionnel. Pour tout ce qu'ils font, Seigneur, pour gagner de l'argent. Ou pour gagner leur vie. Que la sagesse se manifeste. Seigneur, qu'il ne fasse rien comme étant insensé. Mais Seigneur, que la sagesse puisse définir, oui, tout ce qu'ils font, afin qu'ils réussissent, qu'ils prospèrent, qu'ils évoluent selon, Seigneur, ta volonté. Seigneur, je prie que tu les bénisses et que ta pluie de bénédiction et de grâce descende sur chacun. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.